Oh là là là. Ice cream. Je sais que rien qu'en prononçant ce mot, vous êtes très nombreux à être très contents qu'on refasse ce jeu. Mais si je vous dis ice cream Halloween, alors là tout le monde est content. Ah hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max, lui c'est le cerf, vous c'est vous et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je refais du ice cream, mais dans une version spéciale Halloween, plein de surprises. Je vais vous montrer tous les skins qu'on peut avoir, exploser les compteurs des likes. Il faut que cette vidéo atteigne les 1000 likes. Pouce bleu, allez-y. Et n'oubliez pas que je lis 3 commentaires de vous à la fin de la vidéo. Quelque chose à vous montrer. Yeah. Et aujourd'hui, je suis super content de vous présenter Super Mario Party Jamboree, le tout nouveau chapitre de la série Mario Party. Personnellement, j'ai toujours adoré les Mario Party. Si vous ne connaissez pas, c'est comme un énorme jeu de société avec tous les personnages de l'univers Super Mario, plus d'une centaine de mini-jeux, du fun, des rires et de la compétition super fun. Le but, c'est de récolter des étoiles pour gagner la partie. Mais entre les adversaires, les pièges, les surprises et les nouvelles mécaniques de jeu, ça ne va pas être si facile. Ce nouveau chapitre comporte 7 plateaux, dont 5 inédits, un nouvel aspect Jamboree avec un personnage qui viendra vous aider, plein de modes de jeu en solo ou en multijoueur local ou en ligne. Bref, c'est le jeu parfait pour vous amuser seul ou entre amis, et c'est exclusivement sur Nintendo Switch. Merci à Nintendo de m'avoir envoyé un code du jeu, et maintenant, back to the video! Générique! La musique de Ice Cream a changé ou quoi? Ou c'est pour Halloween ou Oh, elle est beaucoup plus menaçante. Il y a les Spooky Deals. Vous n'avez pas envie d'être congelé par Rod le glacier psychopathe? Alors cliquez dès maintenant sur le pouce vers le haut, un like et vous êtes sauvé. Ça vaut le coup. On peut acheter Rod aux lanternes. Tous les skins ont un prix en pièces. Les pièces du jeu, on peut les acheter. Je vais acheter le Rod aux lanternes qui est en solde. Hein. Au lieu de 7500 pièces, il est à 5625. Bim! Oh! Trop stylé! C'est la nonne Scream! Avec le masque du film d'horreur. J'achète, elle est un peu bossue, hein. C'est le bossu de notre Evil Nun. Franken Boris, qui existe en Boris 2000, Robocop. Il a un écran avec la tête des 4 enfants, le mini-rod qui le contrôle. J'achète les personnages du jeu. Regardez, nous avons lui avec la tête de Jason. J'achète. Lys, qui est Lisabelle, donc comme Annabelle. J'adore, j'achète. Charlie, qui lui. Pennywise, j'adore. J'achète Pennywise. Et nous avons lui qui ressemble au Michael Jackson Thriller. Oh, alors là, j'achète J-Keep. Oh, parfait pour Halloween. Oh là là, il a déjà changé ici. Oh wow, regardez, ils sont trop stylés, j'adore. Ça fait plaisir de voir qu'ils mettent à jour le jeu avec des nouveaux skins. Oh, regardez, il est en Jason. Et il y a... Oh, wow, il est trop stylé. Regardez-moi ça. Oh, wow. Ok, c'est super beau. Nous avons Michael Jackson Thriller. Oh, j'adore. Attention, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Nous avons l'unknown en mode Scream. Oh là 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 là. Elle est vraiment stylée, mais elle est flippante. Regardez-moi cette tête. Ça reprend vraiment Scream. Ok. Bonsoir. Non, mais en fait, oui, non, on veut pas de mal à ton fils. C'est juste qu'on veut s'échapper. C'est... Oh là 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 là. C'est vraiment horrible. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Oh, j'ai mis un piège. Ok. Bim. Oh, waouh. Comment elle a volé, c'est génial. Des petites bombes comme ça en illimité puisque je suis VIP. Eh oui. Désactiver le générateur. Moi, j'ai le VIP, donc j'ai une aide. Et ça m'indique exactement où elle est. J'avoue, c'est de la triche, mais c'est une aide. Comme ça, on va pouvoir faire tout le chapitre en entier. On retourne tout simplement dans le musée. On arrive ici. Oh, Boris, avec ses petits mignons, là, qu'il le répare. Mais c'était pas obligé... Oh, regardez, sur son bras, il y a les personnages. J'adore. Vous étiez pas obligé de le réparer. Il va s'allumer. Oh, trop stylé, j'adore l'œil comme ça qui sort, franchement, ça vaut le coup, hein, les skins, ça change vraiment l'ambiance du jeu, et ouais, franchement, c'est bien travaillé, c'est pas juste des petits skins comme ça, regardez, il a reçu une balle ici parce qu'il est abîmé, il faut trouver le générateur, je clique, ok, alors attendez, est-ce que, je l'ai congelé, regardez, coucou, oh waouh, vas-y, ok, alors lui, ça le ralentit juste un petit peu, hein. On peut pas non plus... Ok, on a les personnages qui sont là, regardez, on a Jason, on a Pennywise, on a Michael Jackson Thriller. J'adore. Oh, waouh, il est là. Ok, je l'ai. Par contre, j'ai plus du tout la munition, hein. Enfin, l'arme, je ne l'ai plus. Mais bien sûr, mais lève-toi, mon petit. Je suis pas là, je n'existe pas, tu ne me vois pas. La, 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 la. Il faut que je place ça en haut, et qu'ensuite, je trouve le costume... pour faire venir mon ami, parce qu'il faut appuyer sur le bouton en même temps. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors, comme j'ai pas envie de fouiller partout, j'utilise l'ED juste ici. Et on a le costume. Oh, oh là 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 là. Oh là là, j'ai le costume. Ah, mais oui, mais je le porte, du coup. Ah, c'est génial. Ah oui, il me laisse tranquille, j'avais oublié.
Coucou, je suis un mini-rod. Lise, merci. Oh, comment je l'ai feinté, le Boris. Et hop, allez, on passe par là. On va donner ça à notre ami Charlie, qui est maintenant déguisé en Pennywise Ice Cream. Ça fait pas de sens du tout. Et il faut retourner là-bas. Oh, eh oh, Boris. Boris, non, Boris. Viens, non, pas Boris, viens Charlie. Voilà. Allez, Charlie, t'es prêt? On appuie. Vite, avant qu'un mignon arrive. Ouh, et bim, on a gagné. Merci, Charlie. Oh, elle est là, la silhouette, elle est là. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Tu passes pas les portes, de toute façon, Boris. Donc, t'es bien gentil, mais tu me laisses tranquille, hein. Allez, on va prendre la silhouette. Ok, je l'ai. Nananaï. Ok, on passe par là. Oui, je t'ai feinté. Bye. Salut, loser. J'adore. Allez, hop, on passe ici. On passe là. Il faut que je trouve le pistolet. J'ai trouvé le pistolet micro-ondes. Hop là. Et je vais le donner à Jay. Lui qui va pouvoir faire l'action. Jay, voici. Et je vais attirer Frank and Boris ici. Frank and Boris. On va appuyer sur le bouton. Et regardez, les enfants se mettent tous en accord. Ils font croire à Frank and Boris que la silhouette lui a tiré dessus. Il devient complètement énervé et il va casser ici pour récupérer le premier générateur. J'adore cette scène. Il court. Et bim, j'adore. C'est excellent. On va regarder la map et on va faire le chapitre 2. On va aller au laboratoire, tout simplement. C'est les laboratoires fameux où on a fait la glace avec la dame. J'avais acheté le skin un petit peu comme ça. Il faut trouver le générateur. Alors, on a besoin du savon, peut-être, à un moment donné. Hop là. Yarod. Bim. Alors là, ça va, mon petit Rodinounet? Oui, tu fais une petite sieste. Ou qui t'es mignon. Il m'a attrapé. Eh oh, il est fou. Laisse-moi. Ok, je l'ai eu. Oh, alors là, il a bien explosé. Hein. Ah, mais oui, c'est par là. Donc, tiens, toi, prends-toi ça. J'avais oublié qu'il fallait que je monte une échelle. Ok. Et ensuite, le chewing-gum. Et on a la cachette. On a trouvé la salle du générateur. On a, bien sûr, Annabelle qui est là. Elle est trop stylée. Donc, je vais demander à Liz ce dont elle a besoin. Du savon et la solution numéro 8. Pour la solution numéro 8, il faut parler à Jane et répondre à des questions. Voilà. Super. Tiens. Voilà. Et maintenant, il faut retourner tout là-bas pour récupérer... Oh, bonjour. Tu veux exploser? Tiens, mange donc un petit gâteau. Ah, et le liquide vaisselle, il est là-bas. Bonsoir. Ok. Hop, j'ai le liquide vaisselle. On passe là. On a Rod qui est là. Mais Rod, il va bientôt faire... Boum! Il me fait rire comment il explose. Tiens, ma petite Lys, je t'amène le liquide vaisselle. Super. Mike, t'as besoin de quoi? Tu as besoin d'un câble et d'une torche. Très bien, c'est où? C'est ça? J'ai le gun. Ah, c'est là. Bim! Voilà. Et on a ça. Super. Salut, toi. Dis donc, je t'ai pas dit de te réveiller. Alors, allez. Boum. Voilà. Fais une sieste, mon petit Rodinounet. Tiens, Mike. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais trouver des câbles. Où qui sont les câbles? Vous pouvez m'aider le jeu. Bonsoir. Oh là là, mais lui, il est vraiment pénible. C'est ici. Oh, câble. Super. En plus, c'est juste à côté, donc franchement, le jeu, il est sympa. Je passe par ici, je donne ça à Mike. Thanks. Alors, maintenant, il faut faire ce fameux mini-jeu. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait? Donc, on doit faire des lignes, en fait. Hein. Regardez, on doit empiler comme ceci. Tout simplement. On a hacké le générateur. Super. Je double les pièces. 320 pièces. Troisième endroit, bien sûr, le... Bonjour, Rod. Oh, waouh! Ça marche bien, dis donc. 60 secondes. Il peut pas exploser en même temps? Bah, là, il va exploser. Hein. Regardez, maintenant, c'est des pièges. Des petits pièges comme ça. Ça a changé puisque je suis un autre personnage. Toi, là. Voilà. Laisse-moi tranquille. Un petit coup d'électro-gun. Et on sort de cette cachette. Le crocodile. Allez, crocro, allez, crocro, allez, crocodile. Sur les bords du Nil. Je ne connais pas les paroles après. Voilà. Et Vinden, en avant les histoires. C'est qui, c'est quoi, c'est comment, comment ça se passe? Ah, c'est toi. Regardez, ça fait vraiment flipper. Hein. Oh, bah tiens, prends-toi ça. Bim.
Quel plongeon magnifique! On doit aller dans la petite maison d'enfance de Joseph pour déclencher cette troisième partie de chapitre. Tout simplement, il reste un générateur à faire. Tous les enfants sont arrivés ici et je dois trouver la clé. Celui-ci, j'aime bien ça. Regardez, bim! Pour envoyer des petites boulettes électriques. What? Mais tiens la nonne! Allez hop, bim! Oh, regardez les ombres et tout, c'est magnifique. Je l'ai poussé et tout, il n'y a pas de respect. Ok. Donc, pour faire ça, il faut bien sûr trouver... Oh, des pièces! Il faut trouver des œufs. Les œufs de crocodile. Donc, il y en a un là. On va le placer là-bas. Toi là, voilà. Quand tu te réveilleras, tu auras une belle surprise, ma petite. Dis donc, j'aimerais pouvoir placer ça là, mais tu me laisses pas, hein. Il m'a attrapé là, je rêve pas. Try again, oui, super. Il est où l'œuf? Il est où? Il est là, je le place là. Voici un œuf de placé. Et c'est donc bien dans un toilette que je récupère un œuf de crocodile. Ça ne fait pas de sens et je sais pourquoi le crocodile est mécontent maintenant, hein. Celui qui a mis ses œufs aux toilettes, franchement ça se fait pas. Mais s'il te plaît, laisse-moi aller mettre... Elle est où celle-ci? Elle est là-bas. Alors attends non, attends, moi je place ça là. Toi... Bon, vas-y, viens. Regarde, il y a des petits cadeaux ici. Bim! Voilà! Le troisième œuf est bien dans la maison. Donc, on rentre et on le demande à Alice, tout simplement. Rappelez-vous, ça, c'est une petite astuce. Ok. Ok, c'est bon, bye! Ok. Toi, tu m'as énervé, donc je te piège. Je te piège, tu me pièges par la barbiche. Ah bah là, il a déjà explosé. Et on va aller récupérer la fameuse clé. Ça y est, maintenant on peut, puisque le crocodile s'occupe de ses petits babies. Merci, c'est bon, je l'ai. Et maintenant, j'ouvre la porte, le grillage. Et ça, c'est là-bas. Il va y avoir un jeu de tir, ça va être génial. Et après, il y aura l'affrontement génial et final avec Rod et la cinématique où on verra Rod en citrouille avec la nonne en scream. Ça va être incroyable. Je rentre dans cette petite cabane, je mets la clé et hop, what? Elle est sérieuse, celle-ci? J'étais en train d'ouvrir, elle m'a fait très très peur. Oh, la vilaine! C'est pas possible. Voilà. Tu m'as pris la clé en plus. Vas-y, ouvre. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Il y a la nonne qui va se réveiller. Elle m'a fait peur. What? Voilà. Et je t'enferme ici. Salut, mais comment je peux sortir de là? Voilà. Cordialement. Alors, elle va pas bien. Ouh là là, la nonne, elle va pas bien. Elle va exploser. Attendez, moi, ça va être très drôle de l'avoir explosé comme ça. Non! À peine elle va se réveiller, elle va exploser. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Waouh! Ok. Ouh là 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 là. On va la laisser. Il faut le plasma gun pour ouvrir la porte. Ah non, le frosty rifle. Ok, il est là-bas. Ah mais oui, c'est Mike, il est là-bas. Ok, je me souviens. Ok, merci. Bim, on peut tirer. J'adore parce que je peux tirer en illimité, moi. Nananananer. Bon, allez, hop. Voilà. Et vous voyez ici. Hop, juste là. Bim. Génial, non? Ça, c'est génial. Au-dessus du camion de glace. Et il faut casser l'usine, en fait. Hein. On peut tirer. Et bim! J'adore ce nouveau chapitre. Il est vraiment très varié, très complet. Toi, là, qu'est-ce que tu veux? Bim! Waouh, c'est beau! On est dans la forêt, dans la montagne. On a gagné, regardez! Oui, il y a Pennywise qui s'en va. C'est génial. Regardez, l'usine rouvre ses portes. On retourne dans l'usine de Rod. On va aller dans la salle d'extraction pour sauver tout le monde. Ok, je rentre dans la salle d'extraction. On est enfin dans la salle rose. Rappelez-vous, je passe ici, je vais dans la salle de contrôle. Merci, et là, regardez. Faut trouver des objets à donner aux enfants pour qu'ils débloquent à chaque fois les portes et qu'on fasse le boss final. Je vais m'équiper de ça, et on va bien sûr utiliser ça pour aller beaucoup plus vite. Il faut que je trouve déjà la bouteille de parfum. Donc apparemment, elle est par là. Je vais suivre le petit chemin. Et elle est dans les déchets. La pauvre. Voici pour toi. Ensuite, il faut trouver un morceau de disquette bleu. C'est quoi ça? C'est sympa ça. Allez, il faut... Qu'est-ce que... Alors oui, mais non. Voilà, bim. Ça, ça fait plaisir. Toi, bim. 60 secondes. J'adore cette main. Bim. J'adore. Un morceau de disque bleu, il est là. Tiens. Ok. Alors, il faut le pistolet à main. Donc ça, c'est facile. Je l'avais dans les mains il y a quelques secondes. Je l'ai posé là pour prendre la disquette. Donc, hop. Il faut utiliser la main pour faire tomber ça. Qui me... Ok. J'ai le bout de disquette. Je vais prendre les pièces ici. On va descendre. Attendez, parce que lui, il est très énervant. Bim! Bonne nuit, mon petit. Bon, avec les aides, on peut vraiment rusher ce jeu. Ça, c'est génial. Ok, merci. Je vais la mettre ici.
sympathique. Il faut que je trouve le tournevis maintenant dans une boîte à outils. Alors c'est pas celle-ci, heureusement l'indice nous montre exactement dans quelle boîte se trouve la boîte à outils. Non, pas la boîte à outils. Le tournevis. Là, c'est sympathique. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu veux faire bim bam boum toi aussi? Regarde, et ça fait bim bam boum. Merci. Oh, Rod, ouf, Lily. Rod, youhou. Rod. Voilà. Oh, comment il a explosé. Il a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Hein. Il est arrivé, il a fait boum. Il faut que je débloque ça. Là. On débloque ça. J'ai plus besoin de ça, merci. Elle débloque le hamster. Elle va mettre le hamster ici. Et on va jouer à la place du hamster. Il suffit juste de suivre la petite ligne blanche pour atteindre, eh bien, le morceau de disquette rose. Ok, j'arrive enfin à la disquette, c'était vraiment pas facile. Ok, super, on a réussi. On a la disquette rose, c'est donc la deuxième sur trois. Merci, ma petite Lys. Hop, et maintenant, il faut la dernière. Donc, pour ceci, il faut trouver le carton, puisque, vous vous souvenez, c'est lui, le petit personnage qui va devoir aller dans la petite salle avec les robots. Mais pour ceci, il faut qu'il se fasse passer pour un robot. Donc, on doit récupérer le carton déguisement de robot qui se trouve juste là. Ok, on va aller lui donner. Charlie, c'est l'heure de te déguiser, mon petit. Allez, tu me suis? Viens. Mais il est où? Charlie? Ah, il est là. Tu viens, Charlie? Faut passer par là. Voilà. Et vous voyez, on peut faire les boutons A, B ou C. Laisse-moi tranquille. Voilà. En fait, il faut que il passe à travers tous les robots pour que ces robots-là le suivent. Et il y a lui qui est là. Bah bien sûr. Laisse-moi tranquille. Voilà. Il est bloqué, lui là-bas. Comment on fait? Alors je suis tout simplement retourné dans le menu. J'ai débloqué ici avec mon statut VIP. Et là, vous vous souvenez, c'est quand il est petit dans l'orphelinat, hein, bien sûr, l'école des Villeneuve. Et on doit refaire tous les mémoires, enfin toutes les mémoires de son enfance avec sa maman Evilnun et les autres nonnes. Regardez, il y a Evilnun qui est là. Elle n'est pas encore complètement méchante, hein, elle est tout à fait normale. Mais c'est les souvenirs. Là, c'est une partie du jeu où on a juste à se balader et à regarder les choses. Regardez, on a la chambre. Oh, ok, j'avais oublié qu'il y avait ce screamer. Bonjour, ça fait sympathique de te retrouver. Bah, tiens, regardez, il y a un message ici. Il y a un garçon là-bas. C'est l'homme aux mains bleues, je crois. Casque. Ouais, 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 le garçon main bleue. Viens ici, mon petit. Oh, il frappe à la porte. Coucou, qui es-tu? Il va voir qui? Mais laisse-moi rentrer. Mais laisse-moi. Oh là 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 là. Oh, mais dis donc, à chaque fois, me fait peur celle-ci. On a la nonne qui est là. Je me suis caché dans un placard. Elle avance. Elle va faire une cérémonie chelou. Bonsoir. C'en est une autre. Elle me fait peur celle-ci. Et là, on est plus grand. Regardez, on marche beaucoup plus vite. Mais le joystick, il ressemble à un truc de démon. Donc, bon, j'ai un petit peu peur. On regarde à travers la fenêtre. Et c'est là qu'on voit le fameux échange entre le petit garçon déguisé en petite fille et Joseph, le marchand de glace. Ça, on en a parlé dans mes vidéos théories sur Evilnun et sur Ice Cream. C'était vraiment très, très, très intéressant. Allez les voir, les vidéos d'ailleurs. Ça explique toute l'histoire et vos théories et soi-disant l'histoire vraie de tout ça. Mais parce qu'on joue Evilnun, bien sûr. Elles ont volé mon enfant et on est dans la peau d'Evilnun. C'est pour ça qu'on a le symbole du démon et on a récupéré le marteau. Et c'est là qu'on va devenir complètement dingue. Il faut ensuite retourner au garage. Il faut trouver Rod pour l'affrontement final. Ça y est, regardez. On est dans la cachette de Rod. On a pris son ascenseur personnel. Et on va aller le chercher. Ça va être la scène finale. Rappelez-vous, si vous ne connaissez pas, préparez-vous. Hein, et si vous vous souvenez, boui boui, elle est triste, on le sait. On a donc les quatre enfants qui sont réunis ici, c'est trop joli, regardez, oui, en déguisement d'Halloween. On a Rod qui est là, avec son déguisement d'Halloween lui aussi. Et c'est parti pour l'affrontement final. Regardez, il y a le rayon laser, il faut pas qu'il nous attrape, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Ah oui, faut récupérer ça. Ok, je récupère une munition. Et il faut frapper en fait, je crois, les... Non. Mince. Ah, il m'a eu. Au secours. Ok, il faut attendre qu'il désactive le bouclier. Et ensuite, on tire. Là. Ok. C'est bon. Donc là, on a désactivé un. Et il faut faire les autres. Il faut attendre qu'elle désactive les boucliers. Ok. Il est où le deuxième? Il est où? Il est là-bas. Regardez. Il faut bien viser. Mince. J'ai raté. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Il est juste à côté. Il faut faire le tour par là. Viser. C'est bon, je l'ai eu. Le dernier est désactivé. Il est juste là. Et on l'a eu. C'est bon. On a Rod qui est complètement sur sa machine cassée. Et il ouvre cette vanne.
cette porte. La glace s'arrête. La glace est détruite. Les personnages sont sauvés. Ça fait plaisir. Par contre, ils ont froid. Ça, c'est sûr. Hein? Quand t'as été glacé? Ah, il va pas bien, lui. Hein. Il va pas bien. Il est énervé. Ouh, il est énervé. Regardez la cinématique. Je fais, j'adore. Il va y avoir Evil Nun qui va arriver. Regardez les personnages. Ils sont tous là. Il est énervé. Il va enlever son masque, bien sûr. Face aux enfants qui vont voir le visage. Nous, on l'a jamais vu. À mon avis, il doit ressembler à son père. Hein. Joseph, qu'on a déjà vu, lui, avec sa moustache. Regarde, il panique. Et il enlève. On voit l'arrière, mais pas le devant. Donc eux, ils sont étonnés. Parce qu'ils savent qui c'est. Mais nous, on sait pas. Donc, peut-être que ça nous réserve des surprises pour la suite du jeu. Et là, il est triste. Il dit qu'il a pensé à son poids, qu'il a pensé à quel point il était méchant, qu'il aurait pas dû faire ça. Il a quand même des petits regrets. Hein. Avec la décoration d'Halloween, c'est vraiment merveilleux. J'adore, c'est super joli. Ah, il y a le démon qui lui dit... C'est le démon qui lui parle. Attention, il y a Rod qui va sauter. Non ! Il saute. Regardez, il passe dans l'usine. Et il va tomber dans la préparation maudite qui va transformer en glace. Plouf. Et il y a sa maman qui arrive. Evil Nun scream. Non ! Avec le masque, c'est vraiment trop drôle. Regardez-moi ça. Elle tire son fils, Rod, parce qu'elle a compris ce qu'il a fait. Mais elle aussi, elle est pleine de produits, donc elle aussi va lui arriver des malheurs. Elle prend son fils Rod et elle lui dit qu'elle est désolée pour tout ce qui s'est passé, qu'elle aurait voulu le protéger. Et ils sont enfin réunis. Regardez, c'est tellement touchant, tellement triste. Bon, avec ses costumes d'Halloween, c'est un petit peu drôle aussi, j'avoue. Mais et là, ils se transforment en pierre, les deux. Oh là 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 là. Quoi ? Tu es ma mère ? Et là, il comprend. Et là, ça fait sens. Et ils sont réunis pour l'éternité dans l'au-delà. In the afterlife. Waouh. C'est vraiment très, très, très touchant ce qu'ils ont réussi à faire avec cette histoire. Et ils se terminent comme ça en statue. Donc franchement, j'aimerais bien voir une statue dans la vraie vie avec Evil Nun et Rod. C'est magnifique. Ensuite, bien sûr, hein, tous les enfants sont libérés. Nos héros, mais aussi les autres enfants. Ils retrouvent leurs parents. La police est là. Tout est bien qui finit bien, même si pour Rod et sa mère, eh bien, c'est un peu tragique ce qui se passe. Mais au moins, ils ont été réunis et ça, c'est beau. Oh wow, merci à tous les membres de la Max Family. Cœur sur vous. Wow, eh bien, c'est bien la première fois que je fais Ice Cream 8 en entier du début à la fin. Il était vraiment très long. J'ai fait des coupes et en tout cas, on a vu avec les tenues Halloween, c'était vraiment génial. Mais c'est l'heure de lire trois commentaires qui venaient de la vidéo. Incredibox Sprunky. Nono Gaming me dit, coucou Max, est-ce que tu pourrais refaire des Ice Cream du 1 au 8, s'il te plaît? Sinon, tes vidéos sont incroyables. Continue comme ça. Merci pour ton commentaire. Eh bien, pourquoi pas? Mais en tout cas, aujourd'hui, on vient de faire le 8 en entier. Donc, on verra si cette vidéo a énormément de succès. Peut-être que je reprendrai du Ice Cream du début. Voilà, il n'en tient qu'au succès de cette vidéo, j'ai envie de dire. Lizzie Edith me dit 7 minutes 18. Celui qui, à ce moment, il s'appelle Gray. Et aussi, pourquoi tu as dit moto? Alors, tu dois être nouvelle sur la chaîne. Merci à toi de nous rejoindre. Et en fait, il y a un mot mystère caché dans chaque vidéo. Il y a un mot mystère. Et bah, il faut le placer dans les commentaires, tout simplement. Et j'ai même envie de faire évoluer ce mini-jeu. J'ai envie de faire un mot mystère différent chaque jour, en fait, mardi, vendredi et dimanche, et qu'à la fin de la semaine, le dimanche, eh bien, ça forme une phrase. Mm-hmm. Et on verra ceux qui ont vu les trois vidéos de la semaine et ils mettront la phrase complète dans les commentaires. Et enfin, GR3G me dit, Max, futur compositeur, d'ailleurs, as-tu déjà fait de la moto? Merci pour ton commentaire. Futur compositeur, je ne sais pas, je préfère chanter, mais c'est vrai qu'avec ce jeu, on peut composer de la musique facilement. Et de la moto, non, j'en ai jamais fait, je ne suis jamais monté sur une moto. J'aimerais bien un jour, mais faut vraiment que ce soit avec quelqu'un qui sache bien conduire parce que c'est un peu dangereux. Enfin, si c'est avec quelqu'un qui sait pas conduire, c'est sûr que c'est dangereux. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et regardez une autre vidéo d'Elinor Max. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!